Et toi, tes parents étaient avec, avec René. René. René, la dame qui travaille dans la boutique. Oh ouais, ça, c'est ses parents. Oh, ouais, c'est pas les parents de René. le papa à René, c'était son oncle. Okay. C'est là où il est allé guetter hier. Il est allé guetter son oncle pour les petits... les canards. Ouais. Et c'est là où il y a, après on avait les petits couteaux. Et vous êtes, vos premiers langages, c'est français? Ouais. Ouais. Moi, je n'entends pas trop bien. Oh, mon chagrin, on va parler trop. Et toi, tu as parlé doucement. Oui, mon chagrin. Et où vous êtes élevé? Moi, dans la vacherie. La vacherie. Et mon Bayou-Bœuf. Bayou-Bœuf. Et pour... Le crémeur. Mm-hmm. Et pour vous êtes... combien de bêtises vous êtes gagné? J'ai gagné deux. Et il parle créole français? Il comprend. Il comprend bien. Et il connaît pas les types. Non, ma fille parle plus que le genre. Ok. Voilà. Ça fait... Est-ce qu'il est tolé, comprend, ou il est tolé, apprend, ou juste... C'était pas la chance. Les autres? Non, les petits. Les petits, il est tolé, apprend. Il est tolé, apprend. Parce que nous n'étions pas là après hier. Et quel âge il gagne? Ma fille gagne... 56. 55, hein? I don't know. Wait. Seven from 13. C'est quoi 6? La préfère en dehors à où? Oh, ok. Et mon garçon fait 50 en novembre. Ok. Nous marions jeune. Et quand vous êtes marié? Moi j'avais 20 ans et elle avait 15 ans. Et c'est en 1966. Et c'était normal pour marier gens comme ça? Hein? C'était normal à l'époque pour marier gens comme ça? On a des filles qui mariaient à 13 plus ans. Plus jeune, quand même. 12 et 13 ans. Si tu étais passé 16 ans, tu étais une vieille madame. Mais non, nous avons bien fait notre vie, n'est-ce pas? C'est quoi de 7 ans? 7 ans. Estonie, que nous marions. C'est quoi de 7 ans? 10 ans de 24. Ça fait ça, c'est un bon mariage. We got married, Christmas Eve. Oh, mais là. So we blessed. J'étais grand dans l'armée, so on a marié avant de... J'ai parti. T'es parti faire la guerre? Et là, non, j'étais dans National Guard. Dans National Guard? But he had to go for the 6 months. Moi dans la guerre nationale et tout. Oh, t'es dans National Guard, toi et tout? Oui. Tu l'aimes ça? Oh oui, moi l'aime ça un petit peu. Vous vas toujours au Arkansas? Non. Où je vais? Fort Sill. Oklahoma. Où je vais à Oklahoma? Il est allé au Fort Smith, Arkansas. Et où vous êtes? Et quand vous étiez petit, comment était la vie à l'époque? Ok. Et quand vous étiez petit, comment était la vie à l'époque? Moi, j'ai eu une vie pauvre. Une vie pauvre. Moi, ouais. Nous avons 12 petits. Nous Nous étions pauvres, mais... Dad fait un gros jardin. On met des jardinages. En bouteille. Fait des sauvins.
Les gens me trappaient faim quand j'étais petit. Ouais, les gens me trappaient faim parce que ma maman qui cuit tout le temps des fricassés, des gambos, et des feuilletas du pain. Elle était vendue sur pain, 6 petits pains pour 25 sous. 6 pour 25 sous. Et la famille était venue acheter. Et c'était payé le riz et le lait. Mon papa et mon mère, des gars des vaches, ça fait des gars du lait frit. Et ils étaient mangés le wildlife, ils étaient mangés sur la terre. Oui. Tout ça, ils étaient tués, ils étaient mangés. Ramusqués aussi. You know what that is, la musquée? Oui. Okay. Non, j'ai mangé ça et tant. Et des poules d'eau. La tortue. Et la tortue et des poissons. Et pour. Et dans la jeunesse, tout quelqu'un à toi de vous était capable de parler français ou créole? Non, il était tout parlé français. Parler français. Tu étais capable d'aller à l'école pour parler l'anglais. Ouais, moi je pouvais pas. Tout ça je pouvais dire quand j'ai commencé l'école, c'est oui et non. J'avais une maîtresse qui, comment tu veux dire, interprète. Oui. Mm-hmm. Yeah. On est si on était usé français, on est dans l'école. Ils étaient punis, les autres. On était capable d'écrire des lignes, on était capable d'aller sur les genoux. Et je n'étais pas connu comme on dit. Une pomme. Et qu'on l'appelait sur moi, maman m'a dit la pomme. Et you know what a pomme is, an apple. Et parce que je n'ai pas dit apple, j'étais punie. So, j'étais capable d'écrire des lignes que next time I'll say apple. Ça peut vous accroître facile, plus facile pour vos petits pour parler l'anglais avant français à l'école? Ça venait pas du. Notre petit parlait l'anglais, nous forçait pour parler l'anglais. Mais la France est perdue. Il n'y a plus des jeunes qui parlent français. Non. Un ou deux au Bayou-Bœuf, mais pas trop. Ma grand-child, the last one, pas connaît de trop. Les deux premiers connaissent peu, parce que j'étais pas là, après, là, il a été essayé de demander qui c'était. Et they find out, they like, you understand. Et les villes de Bayou-Bœuf et de Vacherie, ça t'a changé dans la vie, dans les deux villes? Les deux places, le monde. Le monde, le vieux monde parle toujours le français. Il n'y a pas peur. Language, to, you know, like, but les jeunes, c'est tout l'anglais. Pas français. Et, ils ne veillent pas au son, comme nous on était fait sur la galerie, et là on était parlé, venez, alors, ils ne font pas tout ça. Ils n'ont pas peur d'apprendre from les vieux. Mm. Ils restent pour eux-mêmes. Vous allez voir monde, plus monde, jeune, à peu près les créoles, le français? Non, déjà, George est resté au rang étatique. What was his name? Next door. Oh, the Bartholomew's. Yeah, but what was his name? The little guy that we used to listen to talk Creole. Oh, Jimmy. The other one. Perfect.
Jimmy Crack, yeah, Jimmy Crackcorn. Yeah, we call him Jimmy. We used to call him Jimmy Crackcorn. We were buddies with him. When we were younger, quand on était jeunes, et nous t'appelait au somme et nous t'allait au village pour un show. Ouais, Jimmy était ma chérie, t'es pas gâte ça. So, on a ces temps-là, tu n'étais pas voyé trop ensemble avec l'entre les noirs et les blancs. Mais nous avons été menés Jimmy au village. Et nous avons ramassé Jimmy et menés au village, mais nous n'avons pas connu comment il était venu. Il était dit qu'ils n'avaient pas tracassé. So, we were friends with him. Et vous liez à ce temps? Oui, il est passé. Moi, désolé. Yeah. And I talked to his family about 2 years ago, and they told me he had passed. Yeah. I was a good family. They lived right next door to George. C'était ma vieille grand-mère noire. Well, yeah, that's what he called. Madame, d'habitude, prendre éventuellement comme maman ne pouvait pas, maman était malade. Oh, c'était une bonne femme. Yeah. You might be familiar with the Ptolemies? Pas trop. Oh, you see, that's what their last name was. And they were nice. And I didn't meet them till we started going out with George. J'étais appelé avec George et moi j'ai mis la famille Salles, c'était une bonne famille.